Bonjour à tous, nouveau teasing de Dokkan par rapport au monde DL. Et du coup, on voit des nouvelles traînées de on ne sait quoi. Et enfin, une lumière stationnaire sur un bâtiment très très mystérieux. Mais on peut déjà commencer par une théorie un peu plus précise. Du coup, on a 5 traînées et à la fin, une sorte d'aura verte qui se trouve sur un bâtiment. Et là, bah, vous voyez venir le truc. 5 traînées, 5 Z-Fighter, Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan et Trunks qui vont voir Broly, qui est du coup une aura verte sur un bâtiment. Mais moi, j'y vois un petit défaut, c'est que j'ai du mal à voir Broly genre sur un bâtiment, tranquillement en train d'attendre les Z-Fighter en mode « Oh, je regarde les gens de Shibuya, machin. » Bon, ce sera un peu bizarre, j'ai envie de dire. Après, c'est possible, parce qu'on voit, c'est forcément c'est des trucs irréels. Donc, ils ne peuvent pas non plus faire un truc en mode « Le bâtiment, il s'écroule, ou je sais pas quoi, ce serait un peu, peut-être un peu chiant au niveau effets spéciaux. » Donc, c'est peut-être juste voilà, Broly qui attend et qui a son aura sur un bâtiment, tranquillement. Et une autre possibilité qui, du coup, s'écarte petit à petit, c'est l'arc Saiyan, avec les fameuses capsules qui du coup arriveraient sur Terre. Là, bah, on le voit bien, la capsule a atterri, ou la capsule entre guillemets, ou le Dragon Ball, ou qu'est-ce que vous voulez, a atterri et n'a fait aucun dégât a priori. Donc, c'est pas une capsule. C'est pas une capsule, c'est pas possible que ça atterrisse, ça fasse zéro dégât. Ou alors, elle a atterri à côté, et du coup, le personnage est monté au rond du bâtiment pour voir la population. Bon, ça commence à être un peu trabiscoté. Alors que la théorie des 5 traînées pour 5 Z-Fighters et du coup l'aura verte pour Broly, là pour le coup, ça marche quand même vachement bien. Une autre possibilité serait du coup les Dragon Ball, vu qu'on en a 5 pour l'instant et que le teasing va continuer, peut-être qu'en tout on en aura 7, et du coup bah, ce qu'on voit au-dessus ce serait pas Broly mais plutôt une Dragon Ball, et là du coup une Dragon Ball qui se pose sur un bâtiment, ça paraîtrait plus ou moins logique. Mais il y a un défaut à ça qui est du coup assez important, c'est que les Dragon Ball deviennent en pierre après avoir été utilisés pour un vœu. Du coup, si elles se dispersent, c'est qu'il y a eu un vœu, et du coup bah, elles ne peuvent pas faire de lumière si elles sont en pierre. Donc ça serait un peu bizarre d'avoir cette lumière en fin de vidéo. Cela étant dit, vous l'avez vu là, regardez bien maintenant, regardez bien. On a des éclairs. Et les éclairs, qu'est-ce que c'est? La transformation de Broly, de Broly SSJ à SSJL. Donc là, comme par hasard, bizarrement, on passe de la journée, la nuit, à un ciel bleuté, orageux. Bizarre quand même. Ça c'est bizarre, c'est quand même très spécifique, c'est pas... Oh tiens, je prends une photo, machin, j'envoie à notre chef, et hop, c'est bon. Non, ils ont fait l'effort de chercher un ciel orageux, de faire des petits effets spéciaux. Donc, voilà. Bah en somme, on est sur du Broly DBZ, du coup, premier film. Et du coup, bah, vous savez, Goku SSJ du premier film n'a jamais été représenté sur le jeu, tout simplement. Donc, bah, c'est le moment, Broly arrive. Et du coup, bah, peut-être qu'il pourra jouer avec Broly DBS, Agilité, etc., etc. Ça expliquerait pourquoi il y a autant de Broly, de Trio Broly, de Broly DBS, etc., qui sont arrivés récemment. Du Renover du coup en l'occurrence, qui du coup servirait peut-être pour un boss DBS, enfin un boss des films Broly en leader, et du coup face à un Goku SSJ peut-être, ou alors la Z-Team carrément, héros des films en leader tout simplement. Donc voilà, bah, franchement j'aime bien ce teasing, tu vois, c'est trop cool de devoir théoriser et tout. Bon parfois après ça fait des vidéos un peu pas très qualitatives, mais bon c'est pas grave, on est dans la hype, de toute façon il n'y a rien à dire sur le jeu, franchement, topo intelligence ZTR, bon voilà le TB, voilà, faut faire avec ce qu'on a. Et du coup, bah, moi j'adore ce teasing, j'espère que ça va continuer et du coup nous surprendre parce que bon, peut-être que Broly c'est d'un côté, mais peut-être que l'autre portail sera pas Broly. Ah, faut voir. Donc bon, bref. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner et me dire vos théories. Et sur ce, je vous dis ciao!